L'Italie est l'un des pays d'Europe qui a payé un lourd tribut face à la crise du Covid-19. En première ligne, le personnel soignant sur lequel la pandémie a eu de très fortes répercussions, et notamment dans les maisons de retraite où 85% des employés sont des femmes. Dans le pays, les soignants représentent 65% des personnes infectées par le Covid-19 sur leur lieu de travail. Une enquête d'Amnesty International révèle que des professionnels de santé qui avaient fait part d'inquiétudes face à leurs conditions de travail dangereuses ont été visés par des procédures disciplinaires injustes et craignent aujourd'hui des représailles de la part de leurs employeurs. L'appel d'Amnesty International vise à mettre en lumière le rôle des professionnels de santé et du soin pendant la pandémie, un rôle peu valorisé d'un point de vue social au niveau politique. Le personnel soignant, le plus souvent des femmes ou des migrants, a dû subir des conditions de travail dangereuses et précaires. Même si la campagne de vaccination a par la suite donné la priorité aux employés des maisons de retraite, selon Amnesty, de nombreuses inquiétudes concernant les conditions de travail dans les maisons de retraite avant la vaccination n'ont pas été entendues. Roma.